Le pacte, paraphé par les différents partenaires, vise à améliorer la qualité de l'éducation en République du Congo. Jugé consensuel et pertinent, il couvre une période de 5 ans et ouvre les portes du Congo à d'autres types de financement comme celui du renforcement des capacités du système, estimé à 2,9 millions de dollars. Cet événement constitue l'aboutissement d'un travail collectif considérable, entrepris quand notre pays a été considéré comme étant éligible au nouveau modèle de financement du Partenariat mondial pour l'éducation, qui vise à accompagner l'atteinte des objectifs nationaux pour soutenir la transformation de l'éducation à travers les trois guichets de financement ci-après. S'il faut les rappeler, il s'agit du financement pour le renforcement des capacités du système d'un montant de 2,9 millions de dollars, du financement pour la transformation du système d'un montant de 11 millions de dollars, ainsi que du financement à effet multiplicateur d'un montant de 15 millions de dollars. Nous avons toutes les raisons de croire à l'amélioration de la qualité des apprentissages et des enseignements dans notre système éducatif. Le pacte de partenariat identifie quelques axes, notamment la qualité de la formation des enseignants, la construction des centres d'éducation préscolaire, la prise en charge des écoles, l'assainissement de l'environnement scolaire, un pari qui nécessite un investissement national et le soutien des partenaires du Congo. Cette importante cérémonie de validation et d'endossement permettra au pays de transmettre officiellement aujourd'hui son pacte de partenariat au secrétariat du Partenariat mondial pour l'éducation en vue de l'examen et de la notification officielle des financements par son conseil d'administration. À cet effet, elle mettra en place des conditions propices afin d'assurer des apprentissages de qualité pour tous les enfants congolais dans un environnement d'enseignement et d'apprentissage sûr, inclusif. Salué par tous les partenaires, la validation de ce pacte est l'aboutissement d'un long processus piloté par les agences du système des Nations Unies avec l'implication du Partenariat mondial de l'éducation. Ce pacte de partenariat est essentiel pour assurer une coordination efficace et une mise en œuvre harmonieuse de nos initiatives en faveur de l'éducation de qualité pour tous les enfants du pays. Je tiens à souligner l'importance de l'engagement renouvelé. Cette validation du pacte de partenariat représente une étape cruciale dans la lutte pour l'éducation de qualité pour tous. Il marque le début d'une nouvelle ère de coopération internationale en faveur de l'éducation.